n'y a pas si longtemps, une souris courageuse, mais un peu malicieuse, découvrit un monde que j'avais créé pour les Toons oubliés. Cette souris dut relever de nombreux défis et prendre des décisions. Mais au final, elle sauva le monde de la désolation, de l'anéantissement, avec l'aide d'un nouvel ami, Oswald le lapin chanceux. Avec Oswald à ses côtés, le bien triompha du mal et une famille fut réunie. Mais ce n'était que le début. Tandis que les Toons oubliés reconstruisaient leur foyer, les menaces guettaient de toutes parts. Regardez-moi, j'ai bien changé. Je me suis souvent mal conduit, je veux me racheter. Je ne viens pas en conquérant, tout ça c'est du passé. Mais je viens bâtir Magic Land que j'ai toujours aimé. Amis, je vous mets en garde, les nouvelles ne sont pas bonnes. Nous avons de gros problèmes, de très gros problèmes dans le Grand Canyon. Pour moi, pour vous, unissons nos efforts. Trouvons pour nous un vrai héros au cœur d'or. Éloignez-vous de Main Street, soyez vraiment prudents. Elle regorge d'étranges créatures, de monstres impressionnants. J'aurais aimé venir plus tôt, mais voyez-vous mes frères, j'ai dû faire face sur mon chemin un tremblement de terre. Le danger approchant, nous devons être unis. Le monde de désolation pourrait être détruit. Pour moi, pour vous, je sauverai cette terre. Trouvons tous ensemble un héros brave et sincère. Pour moi, pour vous, c'est l'heure du grand choix. On a besoin d'un héros. Est-ce que c'est toi, ou toi, ou toi, ou toi? Oswald, c'est toi. Ton courage et ma puissance. Toi et moi, deux grands héros, nous méritons cette deuxième chance. Et c'est ainsi qu'Hortensia et Gus se dirigèrent vers le château pour trouver le seul Toon qui pourrait les aider en cette période de grand danger. Travaillant sans relâche, plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée, Gus construisit un appareil qui allait remettre le destin du monde de la désolation entre les mains d'une certaine souris courageuse. Envoyez quelque part. Attends, brûle-toi, le vachon.
mystérieux intrus est de nouveau entré dans mon atelier avec un seul but à l'esprit, trouver et s'approprier mon pinceau magique. Mickey devait récupérer mon chapeau de sorcier dans sa cage fragile. Mais comment y parvenir? Tout à coup, le cosmos s'entrouvrit devant lui. Un monde d'imagination, né d'un pinceau, de peinture et de solvant. Le pinceau en main, Mickey découvrit que même les étoiles n'attendaient que de prendre vie. Il leur fallait simplement de la couleur pour danser.
Se sentant chez lui, Mickey aurait dû s'estimer à l'abri. En regardant le pinceau, il se demanda si le solvant pourrait l'aider à découvrir la vérité cachée derrière ce léger trouble. What?